Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sully Gaming et bienvenue pour une petite nouvelle vidéo assez particulière parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une miniature sur YouTube. C'est parti, let's go. Donc vous allez sur Play Store, Ocam, LS, Boom Beach. Après vous maxez, vous marquez Pix avec un grand R, boum, vous le trouverez directement, c'est le premier. Vous l'installez, moi je peux l'ouvrir, donc c'est parti, on l'ouvre. Ok. Donc là, vous avez trois trucs différents. Donc soit vous prenez une photo, soit vous pouvez déjà faire votre miniature dans les photos, ou soit vous faites une bande dessinée avec plusieurs photos que vous avez. Et donc nous, pour l'instant, nous allons faire la photo parce que c'est le plus important pour faire des miniatures. Donc vous, parce que maintenant j'ai beaucoup de choses moi-même. Donc oui, j'ai Serote et Squeezie. Pour info, donc vous prenez, je sais pas, un paysage que je vais prendre au hasard, Balthazar, et voilà. Donc là, vous avez l'image, donc au calme. Après, vous avez les doubles expositions, c'est ça. Vous rajoutez une image, par exemple, ça, par exemple, c'est un exemple. Hein. Par exemple, vous le mettez comme ça. Vous le mettez grand. Boum. Donc après, si vous voulez annuler, vous le faites pas. Vous faites comme ça. Boum. Vous faites la croix. Et donc, si vous voulez encore rajouter des photos, vous pouvez. Donc, par exemple, je vais prendre lui. Voilà. On fait valider pour que ça marche. Après, on peut encore mettre plusieurs photos. On peut mettre. Voilà, on peut mettre ça. Moi. Hop. Boom bit. Boom. On fait enregistrer. Boom. Voilà. Ça, c'était pour les plusieurs photos. Après, vous avez les effets. Donc, vous pouvez prendre tous les effets qu'il y a là. Hein. Après, la superposition. Donc je n'ai aucune idée ce que c'est. Ça doit être... Ça doit faire ça en fait. Voilà, par exemple, ça doit faire ça. Donc on va prendre ça parce que ça a l'air super bien. Surtout un beau décor comme ça. Ensuite, vous allez prendre les autocollants. Donc vous allez là en fait. Vous allez là dans la quatrième truc. Donc là, vous avez plusieurs choix pour mettre des trucs. Voilà. Franchement, vous avez beaucoup de choix. Par exemple, là, vous mettez un petit shocking. Voilà, on va essayer de faire comme ça, genre. Donc, c'est manuel, donc c'est avec vos doigts. Boum. Au calme. Ensuite, vous faites encore des autocollants. Donc, vous pouvez en mettre beaucoup. Donc, vous avez aussi des trucs d'artifice et tout, qui est pas mal. Là, nous allons faire ça. Hop. Par exemple. Ok. Ça va, j'ai le temps de vous expliquer quelque chose. Après, vous pouvez encore aussi faire une double exposition. Donc, c'est vraiment comment faire un vrai montage là. Hop. Voilà. Là, par exemple, dans un beau paysage. Dans un beau paysage avec un joli endroit. Donc du coup voilà, vous faites versus, donc vous pouvez mettre plusieurs intensités, genre comme ça. On ne voit pas trop, donc comme ça va. Boum, voilà, ça ressemble un peu. Après vous pouvez aller dans les ajustements que vous pouvez régler avec votre température, la couleur, carrément la couleur de l'ambiance. Après, vous avez aussi la clarté pour que ce soit plus clair ou alors pour que ce soit plus sombre. Voilà. On va faire là. Après, vous pouvez mettre la teinte. Donc là, c'est la couleur de la forme que ça va être. Par exemple, en vert comme ça, en violet ou en rouge. Et nous, on va se mettre comme ça pour l'instant. Alors, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, vous pouvez mettre aussi des titres. Donc par exemple, vous mettez. Sully versus Slendy.
Après, vous pouvez mettre vraiment des smileys et tout. Hein. Hop, moi je mets des smileys comme ça au calme. Hop, vous faites suivant, vous l'enregistrez surtout. Donc vous pouvez le mettre ici par exemple si vous avez encore de la place. Après, vous pouvez télécharger aussi des petits trucs comme ça qui est vraiment stylé. Voilà. Comme ça au calme, pas comme des thugs. Après, vous mettez bleu ce qui vous convient. On va se mettre comme ça. Boum, valider. Après, vous allez sur terminer. Vous allez sur enregistrer image. Max, ok. Voilà, comme ça, le fichier est sauvegardé. Alors, comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube? Donc, c'est très simple. Vous allez sur Internet. Oh, oui, moi, j'ai trouvé sur Internet. Donc, voilà. Donc, là, vous avez la principale page. Mais je vais vous montrer comment on trouve la principale page. Donc, c'est très simple. Vous allez sur Google. Vous allez marquer YouTube. Donc hop, donc vous allez sur Google. Je crois qu'il faut le site, le HTT. Attendez, le HTT. Ok, donc il faut que vous marquez ça pour y aller. Voilà, pour que ça fasse ça. Donc vous marquez sur le deuxième. Non, c'est pas le deuxième alors. C'est le premier. Voilà, c'est le premier. Après, vous faites sur la. Donc là, je suis arrivé directement. Donc j'ai marqué juste le site. Je vais sur la première case sur Google. Donc là, on est actuellement sur Google Chrome. Après, nous allons sur. Pas sur la cloche, pas sur le dessin de votre logo de la chaîne. Vous allez sur la troisième. Donc enregistrer image sûrement. Ok. Bon, ça c'est fait. Boum. Vous faites la vidéo. Donc, j'ai pas de vidéo moi par contre. On va mettre par exemple le projet. Boum, on va ouvrir. Comme ça, boum. Ça c'est fait. Après, vous mettez le titre, la description. La description du jeu. Le tag et aussi les miniatures qui est très importante. Comment mettre une miniature? C'est très simple. Vous voyez, vous avez aussi le temps restant. Voilà, donc miniature personnalisée. Vous mettez sur fichier. Et vous faites boum comme ça. Ouvrir. Bla. Comme ça. Et à un moment, ça va s'ajouter dans votre. Voilà. Boum. Vous avez directement. Le petit truc. Donc après vous faites publier et puis après vous attendez quelques minutes après. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Et puis après si vous voulez allumer une mise en ligne de vidéo, vous faites annuler. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez précis pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude. Et je vous remercie infiniment pour les 1200. Merci infiniment les mecs. Et sur ce les raids, ciao ma mère.